Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, une horaire assez spéciale car c'est très rare hein, que des matchs vont se dérouler le mardi soir, mais bon, c'est en vue des matchs à rattraper à cause de la trêve internationale. Le Havre affronte Le Mans ce soir, c'est l'avant-match, c'est la 17e journée de la Domestique 2. Alors bienvenue dans cette vidéo et c'est parti! Roi TV et horaire pour cette rencontre. La rencontre sera diffusée sur les antennes de beIN Sport 1 dans le Multi League 2 et puis sur beIN Sport Max 7 pour l'intégralité de la rencontre. Le coup droit de la rencontre, c'est ce soir à 21h en direct du stade Océane. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux. Les Havrais, ils sont 5e avec 25 points. Leur bilan donc pour l'instant de la saison est de 6 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Leur dernier résultat est une victoire 2 buts à 1 sur le terrain de Rodez. En cas de victoire, Le Havre serait sûr d'être 5e parce que 3, donc qui est juste devant, qui est 4e, a 4 points d'avance. Donc même en cas de victoire du Havre, on serait sûr et certain d'être 5e gros maximum. Le Mans, ils sont 19e et relégables pour le moment avec 14 points. Leur bilan saison est de 4 victoires, 2 nuls et 10 défaites. Leur dernier résultat est une défaite 2 buts à 1 face à Châteauroux à domicile. En cas de victoire, il pourrait, au meilleur des cas, se retrouver 17e. Donc voilà, c'est tout pour ce résultat et classement des deux équipes. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Et oui, ça va beaucoup mieux du côté du hack. Hein. Le hack qui reste sur deux victoires d'affilée, une face à Guingamp et l'autre face à Rodez. Il faut gagner tout simplement ce soir face au Mans. Il faut gagner obligé. Et de toute façon, j'ai trouvé que sur les deux derniers matchs, ça va beaucoup mieux du côté du hack. Hein. Déjà, on a changé de dispositif. On joue plus en 4-4-2. On joue en 4-2-3-1. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est aussi pour Ertuğrul Ersoy. J'ai les trouvé plutôt très bons face à Rodez. Tout simplement, on voit qu'il a trouvé des moyens de communication. J'espère qu'il va continuer ainsi. Franchement, j'espère que d'autres joueurs vont progresser, continuer à la progression, notamment Junior Dinaï Mbimbe, qui a pour moi un sacré potentiel, qui peut faire mieux encore. À voir aussi pour Aymen Ben Mohamed, qui a été pour moi très décevant sur le terrain de Rodez vendredi soir. On ne sait pas. Ce soir, ça va peut-être changer. Il y aura peut-être du changement parce qu'on sait que le HAC a joué vendredi. Donc, il y aura peut-être quelques changements, notamment pourquoi pas voir évoluer Alan Zabana titulaire. Pourquoi pas voir aussi Jamal Thiari titulaire qui est rentré en cours de jeu vendredi soir. Bonnet qui était blessé, donc qui était quand même rentré, hein, qui est de retour de blessure, qui était rentré vendredi soir. Pourquoi pas le revoir aussi titulaire. Voilà, à mon avis, il y aura quand même du changement peut-être dans l'effectif ce soir. Ce sera quand même très important d'observer ça. Maintenant, honnêtement, le HAC est censé gagner ce match. Si on gagne ce soir, ce qui veut dire que le HAC aurait 28 points, faudrait espérer une défaite de l'Estac de 3. En cas de défaite de l'Estac de 3, on serait à un point seulement de la quatrième place. Attention, parce qu'en cas de défaite, ben, on pourrait la perdre aussi, cette fameuse cinquième place, parce que derrière, il y a quand même le FC Sochaux-Montbéliard avec le même nombre de points que nous, qui sont 6e avec le même nombre de points, donc 25 points. Donc voilà, c'est tout pour ce 100% hack, rien d'autre à dire, si ce n'est qu'il faut tout simplement aller chercher la victoire et que je trouve que ça va beaucoup mieux pour des joueurs comme Ertuğrul Ersoy par exemple. Alors pour le favori, pour moi, c'est plutôt facile, hein, parce que déjà au point de vue du classement, bah, le HAC est devant et le HAC évolue à domicile, donc évidemment que le Havre part favori pour cette rencontre. Alors, mon pronostic, personnellement, j'aimerais bien avoir un 2-0 et je pense qu'il peut avoir 2-0 pour le HAC. Donc, allez, je vais dire 2-0 pour le HAC. C'est parti donc pour le sondage Instagram. Donc, comme à chaque match du HAC, je vous demande donc quelques jours avant le sondage, donc si vous pensez que le HAC va gagner ou si vous pensez que le HAC va perdre ou alors va faire match nul. Donc, on va découvrir donc les résultats du vote. Est-ce que le Havre va battre Le Mans? C'est ce que je vous avais posé. Donc, les réponses, c'est parti.
93% de oui, 7% de non, bah c'est un record tout simplement sur ma chaîne qu'il y a autant de personnes et un aussi grand pourcentage qui pensent la victoire du hack. Donc bah je veux dire, je suis super, méga, giga confiant pour cette rencontre. Vous m'avez totalement détendu. J'étais un petit peu stressé comme à chaque match du hack, mais là tout va bien. Je pense que du coup bah, je vais vous suivre et je pense que le hack va gagner cette rencontre ce soir face au Mans. Mais il va falloir quand même être resté très vigilant parce que je pense que, comme je vous dis, le HAC a quand même quelques difficultés face aux équipes du bas de classement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir du si. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans la description, mon Instagram, ErwanLeHavray76. Il y a aussi bien sûr les résultats de cette donc 17e journée de la Dominique 2, ainsi que le calendrier aussi des matchs qui n'ont pas encore lieu. Parce qu'il y a déjà eu une rencontre hier, mais toutes les autres rencontres se joueront ce soir. Le classement aussi de cette Dominique 2. Les groupes des joueurs qui vont jouer la rencontre entre Le Havre et Le Mans. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à demain pour l'après-match, tout simplement, de cette rencontre entre Le Havre et Le Mans. Alors, bis les amis, et à demain!